tous, c'est François. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, il va être question de parler et de déballer les oreillettes de sommeil Bose, donc les Soundbones. Alors, à la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, surtout à vos abonnés. Et mettez-moi des commentaires en dessous si vous avez des questions. Alors pour commencer, ce qui est bon à savoir, c'est que ces écouteurs ne sont pas à réduction de bruit actif, mais passif. Ces oreillettes sont bien entendu sans fil, de façon à faciliter vos mouvements durant la nuit. 10 sons préinstallés vous sont proposés avec les oreillettes, donc vous avez des sons apaisants et des sons qui vous permettront de masquer le bruit aux alentours. Pour utiliser ces écouteurs, il faudra télécharger sur l'App Store ou sur le Play Store l'application Bose Sleep. Il faudra prendre le temps de régler le volume sonore par rapport à vos besoins. Alors, un bon réglage doit être suffisamment élevé pour masquer les bruits aux alentours, mais pas trop, de façon à ce que vous puissiez entendre le son de vos oreillettes, qui vous permettra de vous endormir. Vous pouvez également aussi programmer des alarmes, enfin des réveils, qui permettront de vous réveiller vous, mais de ne pas réveiller la personne qui est à côté par les bruits. Seul vous allez les entendre par le biais de vos oreillettes. Alors, il est possible également, par l'application, de donner un nom à vos oreillettes. Allez, sans plus attendre, on procède au déballage. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre le petit couteau. Et voilà, on enlève le blister. Et voilà, c'est parti. Alors, jolie boîte toute noire, bien mystérieuse. Et là, on ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On tombe directement sur le boîtier des oreillettes. Je le pose à côté. On va enlever ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des fascicules Bose. Une petite pochette de rangement Bose. Ensuite, à l'intérieur, hop, je vous fais voir ça de plus près. Tac, 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 tac. Hop là. Voilà. Alors là, on va pouvoir voir les petites oreillettes, donc en L et en S. Donc, ensuite, on y trouve un câble USB. Un petit sachet. Et un module d'alimentation est au fond de la boîte. Voilà, donc tout ce qui va le composer. Voilà, donc ça, c'est pas pour nous. Nous, c'est celui-ci qui nous intéressera. Voilà, pour ce qui est du déballage, on va aller ouvrir ça tout de suite. On met les petites choses de côté. Alors, comment ça s'ouvre? Ah oui, d'accord, faut faire un petit slide. Ok, on fait un slide. Hop. Et là, on peut y découvrir les petites oreillettes. Voilà, voilà. Alors, il faudra bien prendre soin de les remettre à leurs bons emplacements. Donc, une à droite, une à gauche. Voyez ce que ça donne dans une main. Donc, c'est tout petit, petit. Voilà. Donc, ces oreillettes sont données pour une autonomie de 16 heures. Et il vous faudra environ 8 heures pour une recharge complète. La recharge s'effectue dans le petit boîtier. À n'importe quel moment, vous allez pouvoir voir sur votre application le pourcentage de batterie donc de vos oreillettes.
Alors, parlons un peu maintenant du boîtier, donc de rangement qui sert aussi de recharge des oreillettes. Il vous permettra de faire une recharge complète des oreillettes. Pour recharger ce boîtier, il faudra environ 3 heures. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce boîtier? Alors, on peut voir, là, l'oreillette est positionnée. Il y a une petite barre blanche qui clignote. Ça veut dire que l'oreillette est bien positionnée. Quand elle sera en charge, la lumière blanche, la barre blanche clignotera. Quand elle sera chargée, elle sera fixe. On peut voir juste au-dessus, ici, l'emplacement de 5 petites diodes. Actuellement, il y en a 3. Ça, c'est le chargement du boîtier par lui-même. Donc, quand un voyant est allumé, vous avez entre 0 et 20% donc de batterie pour le boîtier. Quand vous avez deux voyants allumés, vous avez entre 20 et 40%. Quand vous avez trois voyants, vous avez entre 40 et 60%. Quand vous avez quatre voyants, vous avez entre 60 et 80. Et quand les cinq voyants sont allumés et fixes, vous avez entre 80 et 100% donc de charge. C'est-à-dire que le boîtier sera chargé complètement. Voilà. Alors, j'ai disposé juste devant vous tout ce qu'il y a donc dans la boîte de ces oreillettes. Alors, d'après une étude de chez Bose, 60% des personnes adultes auraient des difficultés à s'endormir. 79% d'entre elles dorment moins de 7 heures par jour et 30% de ces personnes-là dorment moins de 6 heures par jour. Il est estimé aussi qu'aux États-Unis, environ 25% des couples font chambre séparée pour des histoires de ronflement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, j'essaierai de vous refaire une vidéo d'ici une dizaine de jours afin d'essayer les écouteurs et de vous donner mon avis, voir si c'est vraiment efficace ou pas. Je vous dis à bientôt. Ciao!